Chers amis téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Wang Jianhua. Je suis Huang Kanghui. Aujourd'hui, on révise le contenu des séances précédentes. Allons-y. Le revers est dans le bras, c'est la force qui va vers le haut et l'extérieur. Le tirage est dans la paume, c'est la force horizontale et latérale. La pression est dans le bras, c'est la force pour propulser devant. L'appui vient de la force de la taille. L'énergie de l'appui est soit une poussée vers l'avant, soit une levée vers le haut. Le revers appuie. Bien relâcher les épaules pendant le mouvement. Les bras forment une courbe. Regardons l'application du revers appui. Tirage vers le bas. Les mains vont de l'intérieur vers l'extérieur ou de devant le corps vers les côtés en tirant en rotation. Regardons l'application du tirage vers le bas. La pression. Les deux mains doivent utiliser la même force. Les pieds s'agrippent au sol. Regardons l'application de la pression. Pendant l'appui, veillez au relâchement des épaules, à garder le dos bien droit. L'énergie est dans le centre ou la base de la paume. Regardons l'application de l'appui. Dans les applications du Treisho du Tai Chi, on cherche principalement à entraîner les qualités suivantes. Absorber la force. Absorber la force de l'autre. À partir de comprendre la force, suivre minutieusement les changements de la position de l'adversaire et utiliser les techniques de Treisho pour dévier la force de l'adversaire dans une direction favorable à soi. Sortir la force. Une fois la force de l'autre absorbée, avec le centre de gravité de l'adversaire sous son contrôle, utiliser une technique de Treisho pour projeter l'adversaire. Et on continue notre séance de révision.
La saisie est dans les 10 doigts. C'est une force qui plonge vers le bas et vers l'arrière. Le prolongement est dans les deux bras. Il utilise le couple de force gauche-droite ou haut-bas. Le coude en position pliée permet des attaques en position rapprochée. Le coup d'épaule utilise outre l'épaule, la poitrine, le dos, etc. comme surface de frappe en contact avec l'adversaire. La saisie appuie. Relâchez les mains et les épaules. Les coudes doivent pendre naturellement. Application de la saisie appui en reculant. Application de la saisie appui en avançant. La double saisie. Lors de la double saisie vers le bas, la taille doit tourner continuellement. Voyons une application de la double saisie. Lors du prolongement, les bras pliés relaient la force et tout le corps doit rester détendu. Le centre de gravité du corps se déplace vers l'avant tout en déployant la force. Voyons une application de la saisie prolongement. Pour les techniques de coude, l'avant-bras doit sortir la force très rapidement. Voyons une application du revers du coude. Lorsque l'épaule frappe vers l'avant, veillez à former un ensemble coordonné. Voyons une application du coup d'épaule. Lors du Tuei Shou du Tai Chi, que ce soit les techniques à distance ou bien l'utilisation de force à proximité, on travaille toujours par rapport au centre de gravité adverse. La plupart du temps, on utilise les techniques de revers, tirage, saisie, prolongement, etc. pour contrôler à distance la ligne du centre de gravité adverse. On utilise la pression, l'appui, le coude et le coup d'épaule pour déstabiliser cette ligne. Le but est de déséquilibrer l'adversaire et ainsi de le dominer.
Et maintenant, voici une démonstration d'une forme de Treisho. Notre séance de révision s'arrête ici. Pratiquez bien de votre côté. On se retrouve pour la prochaine séance. Au revoir. Au revoir.